Allez, bonjour à tous, c'est Mat29 et on se retrouve sur Twitch sur Construction Simulator. Allez, c'est parti. Hop, on y va, on est prêt. Tout va bien. C'est parti. Hop, donc on en était. Oh. Va charger le dernier morceau. Et en même temps, après, on ira chercher. Après, on ira chercher le reste au magasin, ce qu'il nous reste à avoir. Et je pense que je peux aller prendre quelques trucs. Hop. Hop, la grue, je vais la replier. Parce que normalement, on n'aura plus besoin. Et si j'y pense après le live, il faudra que je la ramène au local de l'entreprise. Alors. Ça passera pas là. Je pense que je vais faire le tour complet de la dans l'entreprise là pour repartir correctement. Et donc on est en live jusqu'à à peu près 16h. Ouais, non, je sais à peu près où aller. Et après, il faut aller chercher les palettes de bois. Bah, du coup, on va aller au vendeur de matériaux le plus proche. Et je crois que c'est celui du village. Est-ce que je mettrais pas un point d'ancrage? Non, c'est pas là, c'est là. Comme ça. Comme ça, on va y aller. On va chercher ce qui nous manque. On va charger sur le restant de place sur le plateau. Comme ça, on aura ce qu'il faut pour continuer tranquillement le chantier. Et je crois qu'on sort ici. Donc on fait gaffe, il y a des feux. Là on est limité à 50. Là sera à gauche. Une petite sauvegarde de partie. Allez, zou. Sachant qu'après il y a encore un autre feu, donc. Et bien sûr, il est rouge. Ah, oh, il passe au vert, formidable. C'est ce que je voulais. Donc là, c'est le conseil, c'est plus loin, c'est le vendeur de matériaux. Bah oui, bien sûr. Putain, ça serait passé crème si j'étais pas, si j'avais pas reculé. Allez, orange.
c'est bon, on peut passer, on peut y aller. Donc on va tourner ici. Le camion, on va le mettre. Oh. Hop, stop. On va se rendre à la porte. Voilà. Par contre, on va peut-être prendre ce qu'on a besoin pour l'étape F, l'étape E. Donc c'est-à-dire qu'on va filtrer. Et on va se prendre 3 comme ça. 5 et 4. Non. Là, il y en a trop et trop, c'est ça. 5, 4, 3. Tac, et on charge en automatique dans la benne à côté. Et normalement, tout est chargé dessus. Voilà, il n'y aura plus qu'à vider ça là-bas. Pas mal ça, une pierre deux coups. Allez, hop. Le chantier. Le chantier, il est où? Il est là. Bon. On va faire le demi-tour tranquillement dans l'entreprise ici, dans le chez le vendeur là. Hop. Bah oui, bien sûr. Allez, accident de la route. Mais tout va bien. Hop, attention au feu rouge. Ah bah c'est vert. Alors dépêche avant que ça passe au rouge. Hop. Et dépasse pas trop la vitesse non plus. Hop. Allez. Je crois que j'ai rien ramené ou j'ai fait. Oh, je sais même plus. Allez, à peine j'arrive, il passe au rouge quoi. Bon, après, c'est pas grave si j'ai pas ramené les véhicules. Je les ramènerai après. Mais... Allez. Hop. Ouais, pas trop vite quand même. Là, il y a quoi? Il y a un feu. Hop là. Pour une fois, il est vert quand j'arrive. Par contre, je crois qu'il faut redescendre après. Ouais.
Donc là, ici, il faut tourner là. Quoique, j'ai peut-être bien renvoyé des véhicules. J'ai envoyé au moins quelques-uns. Par contre, ce qu'on va faire, je crois que... Allez, hop. Comme ça va faire un petit peu de... Hop. Comme ça, on a encore avancé sur l'amélioration. On est à 44, ouais. Hop. Maintenant, je suis tout seul, donc. Juste déposer celle-ci à côté des autres. Ça ne me gênera pas. Alors, je vais commencer par la palette qui est tout au fond. Tac. D'accord. Là, on va essayer de prendre l'autre comme ça aussi, hein. Voilà pour une. La deuxième, donc c'est pareil. Non, ça, la toute petite. Celle qui est là. Hop. Un poutre en bois 2. Pas que j'en ai autant. Comme ça, j'en aurais pas besoin d'aller en chercher en fait. Hop. On verra après. Ça c'est pareil. C'est ça les poutres en bois. C'est ça les poutres en bois normalement.
Tac. Il nous reste les trois palettes de briques. Tac. Et après le reste, je pense que c'est pour après. Tac, une. Ah bon? Ça par contre, je désactive tous les notifs. Hein. Ça, moi, je serai tranquille, pas de notif. Après, je pense que c'est du déballage. Une fois que j'aurai mis les trois là, à la troisième. Par contre, on va pas tarder à passer le temps. Bon, allez, je finis avec celle-ci là, avec la palette là. Et après, on passe le temps pour être le matin et être tranquille avec un beau soleil du matin quand même. Parce que là, on... Hop, allez, on descend celui-ci. Ouais, il faut mettre les bois en seau et de l'autre côté il faut déballer. Et on pose café et on passe jusqu'au matin pour être tranquille. Alors soit on fait celle-ci, donc il y a les côtés. Pourquoi c'est instable? Non, ça devrait pas être instable. Pour un, on va se mettre un côté, ou plutôt un angle. Après, on va se mettre les deux du milieu là. D'abord celui-ci par exemple. Ah. Ok. Et après, on ira déballer. Les autres matériaux. Voilà, on va le faire comme un demi-tour. Et après, on a les trois palettes à déballer. Et une fois que c'est fait, le deuxième angle. Et le côté.
Tac. Et après, je pense qu'il n'y aura pas besoin de... Et après, il n'y aura plus qu'à... Je pense pas qu'il nous fasse passer à autre chose là-dessus. Sachant qu'on a les trois trucs de briques à déposer, à déballer. Hop. Ah bah si. Je vais peut-être mettre les deux murs du milieu. Hop, on pivote, on le met en place. Et on va chercher la deuxième. On va déjà finir celle-ci. Hop. Merci pour la vue. Je vais déjà mettre au moins un angle. Et après, on mettra les deux grands panneaux. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre celui-ci avant. Parce qu'il est juste par celui-là. En fait, j'aurais dû mettre l'autre angle, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil. Allez, on tourne tout ça correctement. Tac. La deuxième grande. Et après on passera à l'angle. Et normalement après c'est le toit. Allez, un coup dans la vue. Le dernier angle. Dernier mur. Tac. Ouais, c'est ça, après c'est le toit. Ouais, alors on va faire déjà celui-là. On va faire le deuxième. Et après on fera le milieu aussi. Parce qu'il y a un petit au milieu. Je pense que le mieux c'est de finir une petite paillote en à chaque fois parce que sinon ça sera fait et puis.
Celui-là, il n'y en a qu'un. Aïe, 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 aïe. Oui. Hop, les deux derniers murs, les deux derniers plafonds là. Hop. Normalement, après celle-ci, elle sera terminée. Hop. Allez, dernier morceau. Oui, bien sûr, Matt. Hop. Ah bah oui, le toit, bien sûr. Peut-être commencer par celui-ci. Mais après, je pense qu'il y a un truc au milieu, je pense. Hop, voilà pour un. On va déjà finir une paillote et puis après on passera à la deuxième. Avec les briques. Je sais pas s'il y a encore autre chose à mettre sur là. Peut-être le toit du milieu quand même. Ou c'est fini après, je crois. Je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, tu vois. Non, c'est pareil, il y a l'arrière. Hop. Et je pense qu'après ça, c'est fini pour celui-là. Hop. Allez. Le deuxième. Après, il nous reste les trois briques, les trois caisses, les trois palettes à. Les trois. Le posage de trois briques, là, les trois palettes de briques, là. Hop! Ça, là, c'est fini. Bon, bah, très bien, vu que c'est terminé. Et ben, on va déballer. Allez, on pose les briques. Hop. Après, je crois qu'il y a un pilier ou un truc comme ça, fait un mètre devant. Hop. Et la dernière palette. Voilà. Les poteaux. Ah, tiens. Hop. Donc, les poteaux, ils sont là. On en prend un, on le met en place, on prend le deuxième et pareil. Et après il restera le toit. Allez hop. Et de 1. On récupère le deuxième. Toc. Et le toit. Mais le mieux. Il va pas récupérer le. Ah là. Hop. Après, on pivote dans le bon sens.
place sur le bungalow. Hop. Et après, il y a le devant, bien sûr. Allez, hop. Je pense que cette campagne-là, hein, voilà, ce chantier-là de la campagne, elle va aller vite. Parce qu'après, je crois que c'est plus que du placement de bois ou des choses comme ça. Hop. Alors ça tombe bien. C'est pas encore ça, si. Non, il y a encore une grande. Les trois, c'est pour les derniers trucs, c'est pour les planches, c'est le truc de la terrasse. C'est ça. Allez. Hop, celui-ci, il va là-bas. Et après, on a trois palettes de bois plus deux poutres. Doucement. Hop, on va descendre tranquillement. Et on va chercher ce qui est déjà sur le camion. Ouais, bon, on peut commencer par les petites palettes. Bon, j'en ai... Ah si, il y en a trois. Ouais, il y en a une qui est avec deux autres, avec les deux rondes. Et il y en a deux qui sont toutes seules. Allez, hop. Donc la deuxième. Hop. Après je vais continuer encore avec celle-ci pour mettre avec les deux autres là. Et après le camion, bah, il sera entièrement vidé. On est toujours dans l'étape E en fait. Après c'est la prochaine étape, c'est les... C'est les lames de pour les terrasses qui sont juste là que j'ai envoyé quand même. Hop, ça c'est bon. On la pivote. Hop, on la détache. On attache celle-ci. Tac. Oui. Tac. Et la petite dernière. Et après, le camion sera entièrement vidé. Et normalement, on n'a plus rien à aller chercher parce que tout est là. Donc, ça veut dire si jamais
Bah, on verra si on a le temps, mais je pense qu'à mon avis, on aura le temps de terminer le. On va avoir terminé le chantier aujourd'hui, je pense. Alors, on va commencer par la maison du fond. Donc, on a les côtés à mettre. Hop. On pivote tout ça. On met en place. Après, on va mettre le premier angle. Hop. Tac. Après, on va mettre celui-là. Il devient pas vert parce qu'il y a des trucs devant. Mais on peut quand même le choper. Et après, c'est les. Il y en a un comme ça. Et après, il y aura l'angle. Et on finira par le côté. Et après, pareil que tout à l'heure, il y aura l'arrière, plus les deux de l'intérieur. Et ça se finira par le toit. On verra, mais je pense qu'on aura le temps de terminer celui-là et puis les autres à côté. Allez, le petit dernier. Maintenant c'est l'intérieur. Donc là il n'y en a qu'un pour celui-là, ok. Je pense que je vais mettre un angle. Et on va peut-être mettre celui de là-bas. Parce que j'ai l'impression que le côté plein, il est de ce côté-ci. Je suppose que celui-là, c'est celui derrière et c'est celui après l'angle que je viens de mettre. Bien vu.
Oh bah c'est le même en fait. Ok. Après il y a juste... On va mettre d'abord celui-ci. Hop. Allez. Toc. Et l'angle. Et après, il restera le toit. Les plaques sur le toit et puis le toit en lui-même. On passera peut-être le temps avant quand même. Ok. Allez, les planches. Ouais, ben... Ouais, non, je pense que je vais faire un truc d'abord. Allez, on va passer un peu la nuit. Comme ça, il fera jour. Voilà. Ça, c'est lesquelles? Ça, c'est les grandes. Donc, à mon avis, il faut d'abord que je continue avec les petites. Et ben non. Ça, c'est la toute petite. Ça veut dire que les autres, c'est que des grandes. Et ben tant pis. On va faire déjà ça. Je comprends rien au début parce que là, il est bon. Tac, une. Allez. Hop. Après, il restera la charpente pour celui-ci. Hop, le dernier pan, la dernière isolation, je pense. Donc. Donc. Eh ben non, c'est un toit plat. Allez, c'est parti pour les piliers. Hop. Je vais peut-être commencer par celui-ci. Hop, on va faire le tour entier. Après, il y aura le toit de ce bungalow là.
2, c'est bon. Allez. Donc. Allez, plus que 4. Truc. Après, il restera le toit de celui-ci. Hop. On se cale correctement, on met et on part sur un autre. Allez, plus que 3 avec celui-ci. Toc. Le dernier. Hop. Et ça sera bon après celui-ci. Ouf. Allez, le toit. Tac. Je pense que les deux derniers palettes là, c'est pour l'autre à côté. Tout à fait. Donc on va commencer par 2, prendre un comme ça. Et le toit, il est juste à côté. Malheureusement, ça dépend si tu es sur console ou pas. Parce que là, je suis sur console sans simulateur, mais version PS5. PS5.
Allez, première partie du toit. Deuxième, mais je pense qu'il reste la dernière au fond là, à côté. Et après ce sera terminé. Donc pareil avec les piliers à mettre et puis le toit. Ah non, ça se fait tout seul. Bon, pareil, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on retourne au vendeur de matériaux. Donc on va aller de ce pas. Allez, hop, c'est parti. Bon, je vais aller celui au village, hein, c'est plus rapide. L'autre, il faut faire passer 3-4 feux. Ah, je sais pas lequel est plus près d'ailleurs. Ah non, c'est pas là-haut. Là-haut, c'est bon. Non, mais ce qu'il me faut, c'est ça. On va aller en ville plutôt. Comme ça, on aura le temps d'aller en ville. Ça ira plus vite, je pense. Ça dépend après si les feux sont avec nous ou pas. À savoir que de manière entre PC et console, on peut pas jouer ensemble, donc du moins pour l'instant. Ce serait bien qu'on puisse, mais on peut pas pour l'instant.
Allez. Sont pas pressés le feu est rouge de toute manière. Allez. Palette de panneaux de lamelles orientées et palette d'isolation. 3 de chaque. Allez. Bah oui, bien sûr, maître. Hop. Fais gaffe, je crois qu'on est sur la rue où il y a un radar. Donc là, il y a un feu qui, bien sûr, passe au rouge quand j'arrive. Sinon, c'est pas marrant. Allez. Bon. C'est quand tu veux. Après, si on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on terminera. Quoi qu'il en soit, ce sera terminé pour la semaine prochaine. Hop, allez. À l'entrée du magasin. Donc on récupère les trois comme ça. Et les trois comme ça. Hop. Oui, et puis les avoir chargés à la fin, bien sûr. Bah du coup, comme je sais pas trop par où passer, on verra par là où ça sera le plus rapide. Par le centre, je suis pas sûr. Allez.
Hop. Peut-être que quand il y aura la mise à jour multi-plateforme, on aura quasiment tout fini, la campagne. Allez. Par contre, les musiques dans la construction, elles sont vachement reposantes. Ça y est. Ok. Ah si, c'est avec celui-là qui a. C'est avec ce. C'est avec l'investisseur mobile. L'investisseur. Le pont. Le pont, je suis pas sûr. Allez. Après, il y aura du. Ah si, il y a la livraison de sable aussi. Hop. Ça c'est arrivé. Je pense qu'on va pouvoir passer la nuit pour être tranquille et ne pas avoir de problème. Alors il y a un sur chaque maison, certains trucs je pense, hein, sur trois il y en a un chaque. Sur la première, la deuxième et peut-être l'avant-dernière. Hop. Il aurait pu quand même les mettre devant. Allez. Hop.
celle qui est juste à côté de la grue. Et après, on finira par celle qui est à côté de la remorque. Hein. Allez. Tac. Zou. Et puis la dernière. Hop. Oui, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, par contre, je pense que je vais. On va juste enlever le camion de là. Comme ça, il nous gênera pas. Normalement, après ça, il n'y a plus besoin de camion. Après, je pourrais le renvoyer. À l'entreprise, pareil, on verra. Je pense que je vais laisser juste le camion de service, le bull et la remorque. Je vais commencer par le plus loin. Ça va être juste l'isolation et les plaques en même temps. Pareil pour le toit plat ici. Et le petit dernier bungalow. Ah. Et ils servent à quoi ça? Bah oui, c'est les dalles. Et avant de les mettre, il faut peut-être mettre du sable. Ah, et puis la grue aussi. C'est la grue ou c'est juste... Je pense qu'il faut que j'enlève la grue. Ah, la grue est en plein dedans. Donc ça veut dire qu'après il faut que j'aille prendre la grue mobile. Pour finir... Pour finir. Parce que la grue est en plein dedans. Et ben tant pis. Non, bah on va l'enlever. Livrer et décharger le sable. Est-ce qu'on attend de le faire? Oui. Donc, par contre, on va pas s'embêter, hein. Le sable, on va le commander direct. Ça coûtera peut-être plus cher, mais au moins ce sera plus rapide.
Hop. Faut juste faire un deuxième. Pareil. Tac. Encore? Ah bah, il faut aller chercher la grue mobile. La grue mobile qui normalement est là-bas. Donc ce qu'on va faire, et ben c'est qu'on va aller directement. Allez. Et je pense qu'après on va s'arrêter là. On aura fait quand même pas mal de choses. Il ne restera plus qu'à. Je pense que c'est mettre les éléments de terrasse à les plans, le plancher en bois là. Allez, c'est parti. À fond. Bon, pas trop vite non plus quand même. Oh. Non mais... Qu'est-ce qui lui a pris à cette grue là? Allez. Hop. Et puis après, nous on va s'arrêter là. Le temps d'aller jusqu'au chantier avec la grue. De déplacer les trois palettes. Allez. Il y a un feu, je crois, après là. Ou pas loin. Hop, et bah ça va être à nous. Allez. On arrive là-bas, je déploie et puis après on arrête là. Puis après je fais ma petite pause. Hop. Par contre, faut pas que je me mette dans la zone. Et la zone, elle est où là? Là.
Allez, hop. Ça, c'est fait, c'est déplié. Nous, on s'arrête là et on se dit prochain live, c'est mardi à 20h30 sur Supermarket. Sinon, week-end prochain, il n'y aura pas de live. On se retrouve sinon dans la semaine pour des vidéos. Et donc, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao!